commencé avant même que le mouvement ait été fait. Donc c'est vraiment important de vous placer correctement. Ça, c'est votre tableau de bord. Pour suivre facilement. Alors, donc, on a fait les cartes de tour. On va faire les sorties. C'est quoi ça ? Donc, que sorties ? Garçon. D'abord, je l'avais remarqué à quatre sens. Ça fait. Diagonale. La bourse. J'apprends. Tous les câbles. Hop. Diagonale. On a déjà vu ces mouvements-là en solo, on ne va pas plus en parler. Là, le but du jeu, c'est juste de les faire à deux, tout simplement. Donc, diagonale pour les garçons, on avance deux fois, on décale, on marque. Et pour les filles, si vous voulez rester connecté avec votre partenaire, il y aura juste un jeu de dissociation du haut de corps qui va rentrer en compte. Si vous mettez un petit peu plus loin, là, effectivement, on peut faire un petit garçon un petit peu plus robotisé, entre guillemets. De l'éclat de marque, vous voyez que nos deux corps en fait restent vraiment droits en permanence. Donc si on veut maintenir cette connexion juste, il va y avoir cette dissociation voilà, du haut de corps en fait. Donc, ça veut dire que nos bas de corps, nos hanches et nos jambes restent dans l'alignement, restent dans la direction. Par contre, justement pour que la sortie se fasse, il y a une petite dissociation au niveau du cou. À partir du moment où il y a dissociation, il y aura la place nécessaire pour passer votre main de garçon ou de fille, peu importe. C'est physique. Ça n'a rien à voir avec la taille, le gabarit, la danseuse, du danseur, etc. C'est un corps connecté, créer un espace nécessaire pour les deux corps. Enfin, c'est mathématique. Du coup, là, sur le 2, je passe ma jambe facilement. J'avance, je décale et je marque. Et du coup, je profite de ces trois derniers temps pour me remettre à ma danseuse. Remettre en place, entre guillemets, refermer ma dissociation d'une certaine façon. Je vous remonte. Un garçon, je fais ma dissociation. 1. Je suis connecté toujours avec le muscle de ma danseuse. 2. Paf. Je passe tranquillement. 3. Boum. Je commence à revenir et là vous avez observé, je commence à refermer la dissociation. Je décale. Et je marque. Et là on est revenu. Je suis revenu en position classique. Donc si on est en position classique, on se rénerve à sa passe. Tout se passe. Petite astuce, quand vous êtes en dissociation et qu'il faut vous conserver votre trajectoire, les filles, vous allez voir que. Vous allez automatiquement toujours repasser par votre centre. Si vous marchez, de toute façon je l'ai expliqué dans la vidéo solo, il me semble, si vous marchez un petit peu les jambes écartées, ça ne fonctionnera pas, déjà même tout seul, ce sera compliqué, et à deux, c'est mort. Donc vous verrez que les dissociations, en fait, ça va vous forcer naturellement à tenir droite et en fait à avoir vos cuisses bien serrées. C'est ça qui va vous maintenir et qui va faire que hop, les mouvements seront joli, gracieux, etc. Tout ce que vous savez. Même nous, les gars, ça nous donne un petit peu une allure linéaire. Je suis là, si je fais des touches ou n'importe quoi, en étant droit, il y a un impact visuel. Si je fais la même chose comme ça, déjà, j'ai aucune tenue. Oh, grâce. Et là, on sent qu'on est plus sur de l'afro. Ça fait penser à un mec qui veut être méchant, qui sait qui s'avance. Oh, ouais.